Donc aujourd'hui, on va faire tester le MG ZS à Maëlys. Donc il vient tout fraîchement d'avoir son permis de conduire et elle va donner ses impressions. Allez, c'est parti. On va fermer le capot de l'électricité et on y va. Tac. Voilà. C'est une boîte auto? Eh oui, c'est une boîte automatique. Pourquoi? Ça te pose un problème? Je suis pas habituée à conduire ça, moi. Alors, pour les sièges, c'est sur le côté, tu as des boutons et c'est électrique. Pas mal, pas mal. C'est pas mal? Tu ouais. Commences à kiffer là. Bon, en général, les femmes, elles aiment bien être collées au volant, hein. Tu sais que là, pour régler le siège, en fait, tu appuies juste sur les pédales. Est-ce que tu peux appuyer confortablement? Ouais, Ok. Au niveau du dossier, c'est bon, il est bien super incliné. droite. D'accord. Ok. Donc là, on a une utilisation typique d'une femme, hein, parce que c'est vrai que vous avez été plusieurs à nous dire, ouais, mais on voit que des hommes, à croire que c'est une voiture pour hommes. Donc là, vous voyez. Une jeune fille qui vient d'avoir donc son permis de conduire. Donc je mets ma ceinture, sinon ça va se mettre à biper. Alors pour la démarrer, c'est très simple. Tu vois le bouton start à la place où on met la clé habituellement. Ouais. Tu appuies un petit coup, bref. Regardez au niveau du compteur. Voilà. Et donc logiquement, on est pratiquement prêt pour partir. Donc là, ce que tu fais, c'est t'appuies sur le frein. Non, Et puis ici, tu as le sélecteur. Et tu vas le tourner pour le mettre sur D. Voilà. Et donc là, tu auras juste à accélérer un petit peu. Et logiquement, ça va fonctionner. Donc là, j'appuie sur démarrer. L'accélérateur. Vas-y. Attention, laisse pas reculer. Allez, vas-y, accélère. Vas-y, accélère. Accélère. Accélère là. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Si on est bien sur D. Qu'est-ce qui se passe? Attends, appuie sur le frein. Ça fait pas de bruit, c'est bien ça. Attends. On va faire une petite pause, on va voir ce qui se passe. C'est bon, on a réussi. En fait, il n'y avait pas totalement le contact, tout simplement. C'est bon? Elle fait pas de bruit, c'est bien ça. Ah bah du coup, on peut faire une conversation sans avoir à hurler. Ça change de la BMW. Donc, on va pouvoir mettre le régulateur de vitesse. Sous la manette des clignotants, tu as une deuxième manette. Tu mets un coup bref comme si tu klaxonnais. Vas-y, enlève le pied de l'accélérateur. Non, il n'y est pas. Donc, ah, il est peut-être poussé. Tire-le vers toi, la manette. Voilà, et après tu appuies comme si tu. J'ai klaxonné. Ouais. Non. Alors, tac. On va faire ça comme ça. T'as mis la ceinture. Ouais. Ah, là j'appuie pas sur. Ça y est. Voilà. J'appuie plus sur l'accélérateur. T'enlèves les pieds de l'accélérateur. Donc là, elle conduit sans les pieds. Comme vous pouvez voir, tu peux lâcher le volant. Regarde, le volant, il se met Ouais, à c'est très tourner bien. tout seul. Ah, c'est bien ça. T'as pas besoin, tu touches à rien. Voilà, et là, elle demande à ce qu'on touche de temps en temps le volant quand même. Donc là, on va s'amuser au virage là-bas. Tu lâcheras le volant juste un petit peu avant. Juste un peu avant le virage. Ouais, tu lâches le volant. Je
Attends, je vais te le dire. Vas-y, tu peux lâcher le volant. Pas mal. Vous avez vu sa tête là? Comment elle est étonnée? Voilà, donc en fait, c'est une vraie voiture qui peut convenir à tout le monde. Bon, après, là, par contre, il va falloir que tu ralentisses parce qu'elle ne sait pas qu'il y a un rond-point. Voilà, mais sinon, ton impression là-dessus, c'est Très bien, très pas bien. besoin de tenir le volant, ça marche bien. Du coup, tu te verrais bien au volant de ce truc-là pour Bah, aller au travail? c'est bien Tiens, on ça. va prendre à gauche en direction de Château-Thierry. Pas de bruit en plus, ça c'est top. Alors, pour remettre le régulateur de vitesse, tu tires un coup vers moi, vers toi. Et tu Et lâches. après? Et elle s'accélère Ah toute bah oui, seule. ça y est. Ça c'est bien le régulateur de vitesse. Alors, régulateur adaptatif, hein, ça veut dire que si quelqu'un te double et qu'il pile, la voiture, elle freine. Ah ça c'est vrai. Ça c'est bien Voilà. aussi. Ça, c'est pas mal. Elle est confortable en tout cas, hein? Donc, ce genre de petits bijoux, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est super cher, ça pourrait pas convenir à ta bourse, mais si tu prends LOA ou LLD, donc une location longue durée, ou location option d'achat, ça te fait payer à peu près dans les 300 et quelques euros par mois. L'avantage, c'est que tout est inclus dedans, l'entretien, etc. On va prendre la prochaine à gauche. Et donc, à 300 et quelques euros par mois, tout est inclus, l'entretien, enfin tout. Tu peux y aller. Ah bah, elle peut, hein. Heureusement qu'il y a des freins. On n'entend rien. C'est bien ça par contre, comparé à ma voiture qui fait du bruit, ça change d'un coup. Et là, tu vois, l'avantage, c'est qu'elle est 100% électrique, donc il n'y a plus besoin d'aller à la pompe. Donc les fameux 70 voire 100 euros de carburant que tu mets, bah du coup, tu n'aurais plus besoin de les mettre. Ce qui fait que tu as juste à rajouter 200 balles de plus et tu peux te retrouver avec une voiture neuve chez toi. Tu vois? Donc, résultat des courses, cette voiture peut convenir aussi à des jeunes qui viennent d'avoir leur permis. Parce que l'économie faite par le carburant, bah du coup, elle est économisée. Alors le plein d'électricité aujourd'hui, hein, c'est à peu près 10 euros. Donc aujourd'hui sur ta BM, tu mets combien de... Ça te coûte combien quand tu fais le plein? Ah ouais, quand même. Donc 80-90 euros. Allez, on va dire 80 euros. Ça veut dire que en utilisant ce véhicule-là, tu économises à chaque plein 70 euros pour faire la même distance. Après, donc ça c'est pour faire la même distance, 70 euros. Donc si tu roules beaucoup, tu vas économiser encore plus. Et en plus, dans ta voiture, tu n'as pas toutes les fonctionnalités qu'a cette voiture. Ah bah non, c'est sûr. T'as pas le régulateur de vitesse adaptatif, J'ai le pas de volant, truc tactile. t'as pas d'écran tactile. Là, je mets le GPS, comme ça tu verras que ça fonctionne. En plus, il y a le Bluetooth pour mettre ta musique de ton téléphone. Moi, j'ai pas le Bluetooth pour un petit adaptateur. Voilà. Et tout ça, c'est fourni avec. Va Non, prendre je à vais prendre à gauche. gauche. Tu vois, la voiture, on dirait qu'elle freine toute seule. Bah ouais. C'est normal parce que quand tu lâches le pied de l'accélérateur, elle va recharger automatiquement les batteries. Ouais, c'est bien, il n'y a pas besoin de repasser la première. Mais tu vois, t'as juste à Ah, accélérer et freiner. trop bien. Donc là, concrètement, tu kiffes, hein. Le silence de fou là. Tu te rends compte, tu pourras rentrer de discothèque Puis en plus, t'entends sans rien. faire de bruit, Ouais. toute discrète. Ça, c'est vrai.
Voilà, et puis bon, bah, le GPS, lui, il fonctionne assez bien, il n'y a pas de problème. Et l'avantage sur ce ZS, c'est que nous avons là-haut, en haut à gauche, un panneau d'interdiction, enfin de limite de vitesse, pardon. Et au niveau du rétroviseur, ici derrière, il y a une caméra qui lit les panneaux. Donc dès qu'il y a un indicateur de limitation de vitesse, elle va lire le panneau et elle va l'afficher directement là-bas. Donc là, t'aimes bien l'essai, hein? De toutes les voitures que t'as eues dans les mains. C'est pas du tout la même chose, hein. Ouais. Donc, bon, alors pour ceux qui la connaissent pas, elle vient d'avoir son permis. Elle a commencé avec une 206. 206 2 litres HDI. Donc très très bonne voiture. Et après de ça, elle est passée à une BMW, une 316. C'est une E combien? 61? E87. E87. Voilà. Donc elle est passée à ça. Et puis au final, aujourd'hui, bah, je lui ai dit, viens tester le ZS électrique parce que ça peut être un bon truc pour toi. Après, comme j'explique, hein, pas forcément en achat pur parce que ça fait quand même 18 000 euros à sortir. Mais éventuellement, en LLD ou LOA, ça peut être une solution. Donc on débourse 300 euros, mais tout est intégré dedans. Et effectivement, dans ce calcul-là, bah, on se soucie de plus rien. Dès qu'il y a un problème, on emmène chez MG et ils font le nécessaire. Et puis c'est surtout la tranquillité des Elle coûts peut toute seule maîtrisés. freiner. Elle freine toute seule. Bon, après, t'amuses pas à faire sur la BM, hein, parce que je crois que si tu Non. t'attends à ce qu'elle freine, tu finiras dans un platane. Bon, après, elle est sage. Hein. Vas-y, appuie à fond sur l'accélérateur. À fond. Bah, t'es même Va pas à fond. voiler là. Ben. Et voilà. Et après, tu vas pouvoir la garer. Où elle était, hein? Ah, vous avez vu sa tête là, Où comment elle elle s'est était? décomposée? Ouais, Mets non, hein. le clignotant pour avertir quand même s'il y a quelqu'un. Et c'est là qu'on va voir si elle est forte en créneau ou pas. Alors, C'est quoi, c'est R, R? tu tournes vers le R. Voilà. Et là, tu as une caméra. Regarde. Et tu vas voir que tu vas pouvoir y arriver. Tu regardes bien les rétros, tu regardes aussi la caméra, elle va te donner des indications. Vas-y, maintenant tout dans l'autre sens et ça devrait le faire. Encore, tout, 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 tout. Stop. Maintenant tu vas faire marche avant. Alors par contre devant il n'y a pas de caméra. Hein. Donc elle est assez haute, je te guiderai parce que j'ai plus l'habitude. Encore top. Maintenant tu tournes tout d'abord. Vas-y tout. Et maintenant tu laisses reculer un peu. Vas-y. Stop. Voilà, t'es presque bien. Ça allait avant. Tu vois, la caméra, elle te dirige plus ou moins. Et tu vois, d'habitude, tu as du mal à te garer Ouais. avec une petite voiture. Et là, la voiture, elle est plus grosse Là, et tu c'est arrives même à te pas. garer. Tu vois, et en plus, tu Là, étais ça fait tout quand en même un panique. tranquille. Ah, tu vois? Hein, comme quoi, hein? Donc là, je fais quoi? J'éteins, Bah, je. pour éteindre, tu as J'allume. un coup bref. Et tu vois, tout est éteint. Alors, tes impressions à chaud? Ah bah très très bien. Très bonne voiture, hein? Ouais. Tu kifferais en avoir une comme ça. Hein? Bon, on va voir ça. Bon, bah, je te remercie d'avoir fait le test. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Bah oui, merci. De rien.